Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Tricots de Stéphanie. Vous êtes à mon épisode numéro 2. Merci de vous joindre à moi pour cet épisode-là. Je suis vraiment très contente de l'accueil que vous avez fait à mon premier épisode. Je voulais vous dire un gros merci. J'apprécie vraiment beaucoup. Vous avez eu des beaux messages pour moi. Vous êtes plusieurs là, à m'avoir écrit. J'ai pris en note là, les quelques commentaires qui étaient constructifs. Je trouve ça toujours agréable d'en avoir. Fait que merci beaucoup de votre accueil, de vos messages. Je les ai tous lus. J'ai essayé de répondre à tout le monde, mais j'apprécie vraiment beaucoup ce que vous avez écrit puis ce que vous avez fait comme réception à mon premier épisode. Je m'attendais pas à ça du tout, du tout. Je me suis même demandé si ça valait la peine d'en faire un. Fait que j'apprécie vraiment beaucoup votre amour que j'ai reçu là, par rapport à tous vos commentaires. Je suis quand même rendue à plusieurs abonnés aujourd'hui, puis ça me touche vraiment beaucoup. Là. Je m'attendais vraiment pas à ça. Fait qu'un gros merci. Donc, commençons pour le deuxième. Donc, pour où me rejoindre, premièrement, pour mon Facebook, c'est Stéphanie Loisel séparée. Pour mon Instagram, c'est S barre de soulignement Loisel. Et pour mon Ravelry, c'est Stéphanie Loisel tout ensemble. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on y va dans le vif du sujet. C'est un podcast de tricot, bien entendu. on va parler tricot. Mon premier projet terminé, c'est la veste noce de laine que je vous avais montrée lors de mon premier épisode où j'étais rendue là, à la séparation des manches à ce moment-là, puis que là, j'ai terminé. Donc, c'était un montage provisoire. On faisait une partie du col, on remontait l'autre partie, et puis j'étais rendue à cette jolie entrée de motif à l'arrière. Un motif qu'on retrouve également là, au niveau de la manche. Puis au niveau du bas aussi là, de la veste ici. Fait que c'est vraiment, c'est pas un motif compliqué. C'est très joli. Ça se fait bien. Puis la veste se fait vraiment très bien également, là. C'est de la fingering, fait que c'est sûr que c'est un petit peu plus long que si je l'avais fait en déco, mettons, mais j'ai vraiment beaucoup aimé faire ce tricot-là. Je trouve que c'est un tricot qui était intéressant à faire. J'ai moins aimé la partie où c'était de l'intarsia, là, pour qu'est-ce qui est du col, là, de la couleur, mais ça, c'est moi. Parce que j'ai trouvé que j'avais à défaire mes pelotes souvent, fait que c'est moins agréable. Mais elle est vraiment jolie puis au porté. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne porté, mais je vous installerai une photo pour vous montrer de façon plus adéquate là, ce qui en est là, porté. Là. Mais c'est vraiment, ça fait vraiment joli. Et j'ai trouvé que pour un écheveau solitaire, c'était parfait comme projet. C'est un projet qui demande pas tout à fait un écheveau, puis ça jusqu'à la grandeur, je crois, large ou extra large de la couleur secondaire. Moi, mes manches sont un petit peu plus longues avec ma couleur secondaire. Il aurait peut-être dû l'avoir jusqu'ici de noir environ. Ce qui arrive, c'est que comme c'était un test, il y avait une petite erreur de calcul au niveau de la manche que je me suis rendu compte, mais après avoir changé de couleur, fait que j'ai continué comme ça, là. Mais sinon, c'est ça. Fait que ça m'a pris un petit peu plus de couleur, là, contrastante que le principal, comparativement à ce qui est écrit dans le patron. Mais c'est parfait, là. Pour mettre un écheveau en valeur, je l'ai trouvé vraiment adéquat. On a tous des écheveaux qu'on trouve vraiment jolis, là, puis c'est un coup de cœur, puis faire des bas toujours, ben c'est que je les, tu sais, on les voit pas quand on fait des bas avec, fait que c'est plus plate, je dirais, mais avec ça, tu sais, tu passes un écheveau qui est vraiment magnifique, qui te permet, là, de le conserver, fait que j'ai vraiment aimé ça.
Je l'ai faite en 3,75 puis les côtes en 3,25. C'est un échantillon de base là, qui devait être fait pour un 24 par 32 rangs. Moi, j'ai fait 24 par 34 rangs. Ce qui fait qu'au manche, là, j'ai rajouté quelques rangs de plus juste pour aller rechercher comme la différence entre les deux. Donc, le patron, c'est un patron en test qui était le Noss de laine qui va sortir dans 2 semaines pour Pomme de laine à Henryville. C'est les créations Andy, puis je l'ai faite. Bon, comme je disais la dernière fois, la principale, c'est de la fibre carpe diem noire, de la lana, ce qui est une laine à bas là, standard, un 85% mérino superwash puis 15% nylon. Ça m'a pris 223 grammes de celui-là. Ce qui est quand même pas tant. Et de celle-ci, qui est de la cassou, qui est du 80% mérino superwash puis du 20% nylon, ça m'a pris 95 grammes. C'est une pelote de 115 grammes que j'avais reçue dans ma boîte de Noël, dans mon calendrier Noël, qui est la couleur Sultan. Je la trouvais vraiment belle, puis je voulais faire quelque chose de particulier avec cette laine-là. Fait que je trouve que les deux ensemble, ça l'allait très bien. Et ça l'a vraiment fait un beau projet. Je l'ai portée, elle est confortable. Donc oui, ça va être un beau projet là, à réaliser. Je vais la porter d'ailleurs là, quand j'irai à Pomme de laine dans 2 semaines. Puis on pourra, ceux qui seront intéressés à le regarder de plus proche, vous pourrez le regarder. Donc ça, c'est mon premier projet terminé, c'est mon gros projet que j'avais en cours. Mes deux autres projets, c'est des petits projets. Premièrement, ici, j'ai une belle Ripple Bralette de JC Made Design que j'ai fait avec de la laine à bas de Bissoc. De la Bissoc. C'était une Lumos avec... je ne sais pas si vous pouvez bien voir, là, mais à l'intérieur, il y a du stamina qui brille. Bref, c'est très joli. J'ai fait une grandeur small pour ma fille. Elle voulait aller... Je vais essayer de vous la montrer de plus proche, juste pour que vous voyez la laine. Donc, elle voulait aller à la parade de la Fierté Gay à Montréal, qui a malheureusement été annulée là, ce matin-là, mais on est allé à Montréal quand même, là, on était là. Fait une belle bralette standard parce qu'elle voulait être jolie. On a fait en une semaine là, une petite bralette pour elle, puis elle s'est faite une jupe également. Là, je vous mettrai une photo d'elle qui porte la bralette puis la jupe. Elle a fait une umbrella de George and Ginger. C'est une très belle jupe, là, vous allez voir. Là, c'est du tissu qu'on avait pris chez Club Tissu, qui est un tissu de Wonder Woman là, de type bande dessinée là, vintage, puis un noir. Fait que ça faisait très joli avec le petit la petite ripple bralette jaune, là, c'était parfait. Ça m'a pris 44 grammes pour faire la petite bralette en question. Elle a beaucoup aimé, puis elle l'a reporté par la suite. Là, je pense qu'elle apprécie beaucoup. Je l'ai faite en 3,75, puis les côtes en 3,0. J'ai pas fait, par exemple, d'échantillon pour ce projet-là. T'sais, normalement, j'essaye d'en faire, mais comme c'est une bralette, puis que c'est des côtes, je pense que ça s'étire bien. Fait que même si elle avait été un petit peu plus grande, j'aurais, je pense, pas eu de difficulté là, avec les côtes. Elle aurait pu la porter quand même. Fait que la Bissoc, bien entendu, là, c'est un 100 grammes pour 435 mètres. Puis c'est une composition standard de laine à bas, là, avec du mérino puis du nylon. Donc, c'était quand même là, un projet rapide. Là, je vous dis, en une semaine, c'était clos. On n'en parlait plus. C'est sûr que je ne l'ai pas fait très longue. T'sais, si je l'avais voulu pour moi, j'aurais peut-être dû la faire un petit peu plus longue. Elle, ça y arrive vraiment en bas des seins. Là, c'est vraiment une bralette. Mais c'est ce qu'elle voulait. Puis elle était très jolie à l'intérieur. Ça lui faisait très bien. Donc, on a pris la grandeur qu'elle voulait. Puis on l'a fait exactement comme ça. Donc, c'est pour ça. Et mon autre projet terminé, c'est... Ce sera pas long, je l'ai perdu.
C'est un petit, petit projet, fait que il n'est pas dur à perdre. Voilà. Donc, ici, nous avons un petit pied. Hein, c'est le patron Petit Pied de Tricot Design MCL. C'est un beau petit bas de bébé. J'ai une de mes collègues qui m'a demandé si je pouvais faire des bas de bébé là, pour un bébé à venir. Sa fille est enceinte. Ils vont avoir le bébé en octobre. Fait qu'elle m'a demandé de lui faire une paire de bas. Et un chandail. J'ai fait la paire de bas. Excusez. Donc, j'ai pas fait d'échantillon pour ce projet-là. Je l'ai faite en 2.75 avec de la bistoc que j'avais depuis un petit bout là, dans mon stash. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir vraiment la belle composition de couleurs de cette laine-là, mais il y a du orange, du brun, du jaune, du rose. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de couleurs. Je la trouvais très jolie, puis ma collègue m'a dit que sa fille aimait les oranges et les bruns. Fait que je trouvais que ça faisait une belle couleur. Puis pour un bas de bébé, je trouve que ça se réutilise bien, là, que ça soit une fille, un garçon, même si on avait quatre. Je pense que c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir reporter là, de un à l'autre sans problème. Donc j'ai fait mon choix sur cette laine-là. Bon, les fils sont rentrés, mais ne sont pas coupés parce que mon bas n'est pas bloqué encore. C'est un projet qui se fait rapidement. Ça m'a pris 15 grammes pour faire une paire. Même pas tout à fait 15 grammes pour faire une paire de bas. Fait que tu sais, ça prend pas beaucoup de laine, ça va rapidement, ça se fait bien. C'est des côtes 2-2 avec un talon double régulier, là. Donc, désolée, ça l'a coupé. Je parlais ici de mon petit bas de bébé. Donc, le petit pied de Tricot Design MCL. Si j'ai fait ce choix de patron-là, c'est que j'ai vu là Élise Damo Design le tricoter pour son bébé à venir. Je trouvais que ça avait l'air d'être un beau projet. Puis j'aime bien encourager là, nos artisans québécois. Donc je trouvais que c'était une bonne façon. C'est un bas fait en côte 2-2. Fait que c'est assez élastique pour un bébé. Ça va bien se mettre puis bien tenir en place. Un beau petit talon double ici là, régulier. Donc c'est vraiment un beau petit bas, un projet rapide et facile, pas beaucoup de laine, ça va bien. J'ai vraiment beaucoup aimé là, le tricoter. J'en avais jamais fait avant, fait que c'était quand même intéressant. Maintenant, passons à mes projets en cours. En cours, présentement, j'ai pas beaucoup de projets, j'en ai trois. Trois parce que j'en ai deux quand même importants. Puis, c'est ça. Comme j'aime faire des tests là, de patrons, quand j'ai vu passer ce patron-là, j'ai pas pu m'empêcher de dire que c'est un patron que j'avais besoin de faire. J'avais besoin de ça dans mon garde-robe à moi. La dernière fois, quand j'ai fait le podcast numéro 1, je vous parlais de ma laine de Entre Sœurs et Laine que j'ai achetée sur un coup de tête, comme ceci, qui est la base Anana Deka, qui est un coloris unique, là, un beau bleu. C'est un 80% mérino, 20% nylon. Je savais pas quoi faire avec, j'avais pas de projet pour ça. Fait que quand j'ai vu ce patron-là passer, je me suis dit, c'est fait pour ça. Donc, le pull Douro de Sarah Blow Design, qui est fait avec un beau motif qui va terminer en dentelle en bas ici, comme c'est bas Douro. Puis je m'apprête à faire les manches. Puis après ça, à terminer, je termine par la dentelle parce que c'est mon dada la dentelle, ça va bien aller et ça va être rapide. J'aime beaucoup en la tricotant là, toutes les belles nuances de bleu qu'on voit là, sur ce pull-là. Là, je trouve que ça va être un pull magnifique avec un beau col qui est replié. Dans le fond, on commence par le dos. On fait le dos pour 20 cm. Par la suite, on vient rajouter l'épaule droite, l'épaule gauche. Et après, on joint en rond, on descend un petit peu.
Fait que dit de faire le corps, puis d'ensuite faire les manches, le col. Moi, j'ai fait le col tout de suite parce que je voulais voir un peu ce que ça donnait avec le col. Puis comme j'aime ça faire les manches là aussi avant de terminer un projet, fait que je vais m'enligner sur les manches. Le Douro, c'est un pull qui est fait pour un échantillon de 19 par 32. Moi, j'ai un échantillon de 18 par 30. Je suis quand même pas très loin. Je pense que mes grandeurs vont fonctionner là, avec ceux de Sarah Blow. Je fais la taille médium. J'ai bien hâte de l'avoir terminé. J'ai jusqu'à la fin du mois là, pour le terminer, fait que je ne devrais pas avoir de problème pour faire ça. C'est vraiment un beau pull. C'est vraiment agréable à tricoter, ça va bien. La seule chose, c'est comme j'en ai deux en test présentement, fait que je passe mon temps d'aller un à l'autre, fait que c'est un petit peu plus long peut-être là, à faire. Mais c'est vraiment un très beau pull, j'ai vraiment hâte de l'avoir terminé. Donc, mon autre projet en cours, c'est le cœur de maille, qui est un patron que je teste également pour Andréane Pérus. Donc, le cœur de maille, lui, on commençait avec un montage de maille, on monte un nombre particulier de longueur de colle, après on vient rechercher, faire l'autre côté de colle, puis après ça, on remonte là, les manches. Donc, j'ai adoré la texture de ce cardigan-là, que je trouve magnifique. Et je le voulais absolument, absolument, absolument dans cette couleur orange citrouille-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'étais pas capable de le voir dans autre chose. J'ai fait plusieurs échantillons pour ce pull-là parce que mon échantillon ne fonctionne pas. Voyez-vous, l'échantillon de ça, c'est un 15 par 24. Et moi, présentement, j'ai 16 par 22. J'ai 16 par 22 avec le 6 mm qui est recommandé là, dans le patron. J'ai essayé de monter mon aiguille, ça ne fonctionnait pas. Bref, j'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé une autre grandeur de laine. Ça fonctionnait pas. Fait que je suis revenue à celui-là en me disant, tant pis, je vais le faire quand même comme ça, l'échantillon, malgré que mon échantillon n'est pas le bon, et je vais voir par la suite ce que ça va donner. Je trouve que la couleur, elle est très jolie. C'est orangé, la couleur c'est citrouille. J'ai pris de la vintage, puis là mon choix s'est arrêté sur la vintage, de Berroco parce que c'est une laine qui est facile d'entretien. Puis un cardigan, ça dépend à quel point on le porte ou pas, mais c'est un cardigan que je veux laisser à mon travail. Fait que je me dis, tu sais, si c'est dans mon bureau, ça va bien. C'est du 52% acrylique, 40% laine, 8% nylon. Donc comme je vous dis, la laine, c'est de la vintage. C'est un 100 g pour 200 mètres, puis Andréane, elle l'a faite avec de la laine des brebis du Beau-Rivage. Puis elle conseillait de prendre soit de la Déca, soit de la Worsted là, pour le faire. Puis, fait que c'est vraiment, c'est un cardigan. Fait qu'on tricote là, la bordure en même temps là, pour la boutonnière. Et c'est un motif sur 4 ans, ça se retient rapidement, ça va bien, puis ça se fait super bien. Voyez-vous, là, je suis déjà, je crois, à 7 pouces de corps. Là, il me reste 7 pouces à faire, puis à faire mes 3 pouces de côte par la suite. Ça devrait être rapidement terminé, là. Je me dis qu'à la fin de cette semaine, c'est sûr qu'on n'en parle plus, il va être terminé. Les deux manches sont déjà faites. Comme je vous ai dit tantôt, là, moi j'aime ça faire les manches avant de terminer le corps. De toute façon, ça me dit toujours si j'ai suffisamment de laine pour aller plus loin dans le corps ou pas. Mais comme c'est des tests, normalement, j'allonge rien là. Je fais les tests tels qu'il est recommandé. Donc, c'est une manche qui est sans diminution. Puis là, on diminue ici de la moitié des mailles rendues aux côtes de la...
ça donne vraiment un beau fini. Je peux pas vraiment vous l'enfiler parce que mon fil est pas assez long pour faire le tour. Mais ça peut vous donner peut-être un petit peu une idée de ce que ça va avoir l'air porté. Donc ça fait une espèce de petite manche qui bouffle un petit peu là sur le dessus. Puis c'est vraiment un beau motif, là, même étiré un peu là. On perd pas le motif de maille dessus. Donc, j'ai bien hâte de vous montrer ça terminé, de pouvoir vous l'essayer comme il faut. Puis, mon autre projet en cours, ben, c'est une paire de bas. Je ne suis pas une fanatique du tricot de bas. Et j'ai le problème que quand je commence une paire de bas, si j'en fais juste un, ben, le deuxième, ça me prend beaucoup de temps avant de le faire. Fait que maintenant, je fais toujours mes bas, là, les deux ensemble. Je tricote toujours mes bas avec des 2.5. Ça ici, c'est une paire de bas que je fais pour ma fille. C'est mon tricot que je garde dans l'auto. Fait que c'est la raison pour laquelle j'ai toujours une paire de bas en cours. Puis j'utilise la Fibralia comme ça ici. Là, c'est pas la bonne couleur, mais c'est un Sock Star. Ce qui fait qu'on a toujours deux balles complètement identiques à l'intérieur pour faire deux bas identiques. Puis on peut les faire les deux en même temps. Ça va super bien. Fait que c'est pour ça que j'utilise souvent cette laine-là pour faire mes bas. Fait que la laine de Fibralia, c'est de la cassou. C'est leur laine régulière à chaussettes qui est du 80% mérino, 20% nylon. Puis mon patron, c'est un patron de bas vanille là, du gars qui tricote. Donc, c'est pas un patron qui est très compliqué. Ça se fait bien, ça se retient bien. Fait que c'est celui-là que j'utilise. Ici, j'ai mon beau sac que je garde dans l'auto, qui est mon sac de Nat Picard. Je trouve que ça fait un peu vintage comme sac. Je le trouve vraiment mignon. Et voilà. Ça, c'est pour mes projets en cours. Là, je peux peut-être vous montrer. Je suis une fan de sacs et j'adore les créations Judy Mary pour ses sacs, pour les chandails. Je trouve que ça va super bien. Ça, c'est un motif que je lui ai demandé de me faire, qu'elle était super fine de me faire. Puis, mon premier achat, c'était celui-ci. Mais je trouve que ça a des belles proportions. Mes chandails rentrent super bien à l'intérieur. Puis là, je vais vous parler de mes achats un petit peu. Je suis allée en fin de semaine à la Folie des Fils. Puis avant de parler d'achats, on va parler de teinture. Donc, parlons teinture. C'est ça, je suis allée à la Folie des Fils, qui était la première édition en fin de semaine. Je suis allée apprendre à teindre de la laine avec Sylvie de Vitalaine. J'ai teint deux écheveaux différents, là. C'était des 50 grammes. J'ai fait des couleurs différentes, puis j'ai essayé de faire quelque chose de différent pour les deux. Soit le premier, je suis partie d'une couleur, je l'ai pâlie un peu, pour m'en aller vers un jaune par la suite. Puis je pense que c'est quand même un écheveau qui est bien rempli. Celui-ci, c'était mon premier et bon, la laine est un peu maganée là. J'ai commencé bleu, j'ai fait jaune de l'autre côté, puis j'ai eu, on dirait, peur de faire du vert dans le centre, fait que j'ai comme un bout de blanc là, entre les deux. Je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut bien voir à l'écran, là. Mais il manque un petit peu de teinture à la jonction entre mon bleu et mon jaune. Mais bon, c'était quand même une première fois pour moi, fait que c'est sûr que je vais m'habituer à en faire, là, plus je vais pouvoir en faire. C'est quelque chose qui m'intéresse de faire la teinture de laine parce que je trouve que ça complète bien nos projets. Essayer de, t'sais, de trouver la bonne teinte, essayer de pouvoir rejoindre notre projet dans toute sa création.
Bon, c'est ça. Je n'en ferai peut-être pas des tonnes, mais c'est mon envie. Donc, j'ai fait cette belle teinture-là, puis j'ai vraiment aimé ça, j'ai aimé mon expérience, c'est intéressant. C'est sûr que ça demande quand même la préparation, puis j'ai bien hâte de voir si je vais être capable là, de reproduire ça à la maison. Maintenant, tant qu'à parler de la folie des fils, je me suis laissée tenter, pas parce que j'en avais besoin, mais parce que c'est vraiment joli, par un sac qui est fait par C'est ça le bonheur. C'est un beau sac qui est comme matelassé, avec des pochettes à l'intérieur. Il y a un zip également. Puis il y a deux petites pochettes là, ici sur le côté extérieur. Puis comme je suis une fanatique du Buffalo Plaid, comme on peut le voir en arrière, eh bien, j'ai pas pu résister à ça. C'est un beau petit achat. Mais à la base, j'allais là pour faire un seul achat qui est l'achat de boutons pour mon cardigan. Donc, ce que j'ai fait. Et que je suis passée par la truquerie et j'ai acheté ces jolis boutons en noyer noir pour aller avec mon cardigan cœur de mer. Fait que ça va être très joli, je crois, avec le orange citrouille là, comme couleur. Puis, je vais faire un chandail là, pour le bébé de la fille de ma collègue. Fait que je me suis acheté des petits boutons en corne de serre pour mettre par-dessus, ce qui va être très joli. Puis là, ben, ça, c'est pas des boutons, puis c'est un petit peu de surplus, mais j'ai vraiment... La fibule est magnifique, c'est toujours la truquerie, c'est de l'érable, fait que c'est vraiment, là, très joli. Je trouvais que les couleurs étaient belles. Pour mettre sur mes châles, ça va être parfait. Puis... J'ai un petit bouton de surplus que j'ai acheté pour ma cocotte, qui a un beau cœur en arc-en-ciel, qu'elle va pouvoir mettre sur son coffre à crayons ou sur son manteau. Parce que ma fille, c'est quelqu'un de très coloré, fait que c'est quelque chose qui va lui plaire. Et je n'ai pas pu résister à ceci, qui est des boucles d'oreilles de point-virgule. Étant une infirmière en santé mentale, la santé mentale, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose que je comprends, qui est importante. Fait qu'ici, un beau petit point-virgule en bois d'ébène, je les trouve magnifiques. Voilà pour ça. Sinon, j'avais un autre achat que j'ai pas fait là, en fin de semaine, mais que j'ai commandé sur Internet il y a quelques semaines. Ici, c'est un kit avec un sac de s'more qui venait avec de la laine à bas. Donc, c'est Ginger Snap Dat qui vendait le kit. Ça s'appelle Love S'more Worryless Sock Set. C'est de la fingering avec un 75% mérino puis 25% nylon. Et ça venait avec un petit progress keeper comme ça ici en s'more. Donc, je trouvais ça très beau. Là, on dirait un espèce de guimauve brûlé comme couleur avec un espèce de chocolat. Fait que c'est très joli. J'ai déjà une idée là, de ce que je vais faire comme... Comme patron, là, avec ça, je vais vous le mettre en photo pour que vous le voyez. C'est un patron de Andréane Pérus. C'est une paire de bas, puis là, j'ai oublié le nom, mais qui a juste une petite ligne de contrastant à l'intérieur avec les talons et les côtes de couleur contrastante. Et je trouve que ça va faire très s'more comme effet, fait que je trouve ça très joli. Ça va être vraiment beau. J'aime vraiment le sac. On peut le garder ouvert, là. Il y a un rebord de métal ici, là, pour qu'il reste bien ouvert. Fait que je trouve que ça fait un très joli sac à bas. Ma collègue et amie est allée en vacances à Québec cet été, puis elle nous a ramené un petit cadeau, là, à moi puis à ma fille, soit un bel écheveau comme ça ici, de Artfil, un color bundle,
Et ça s'appelle Coïncidence. Fait que c'est un 6 couleurs. Puis c'est 120 grammes, exact. 120 grammes pour 406 mètres. C'est un 80% mérino, 20% nylon. Et elle lui a rapporté un beau pompon comme ça, en même temps, de la boutique Madeleine. Il y a de la couleur. Fait qu'on va sûrement lui faire là, une belle tuque avec ça, pour aller avec son pompon. Et une paire de petits gants, là, pas de doigts, pour aller avec ça. Et pour moi, elle m'a rapporté ici de la laine de M Signature, qui est la Berger Belge, couleur coquillage. C'est du 75% alpaga, 25% nylon. Et la couleur de ça est magnifique. Il y a beaucoup de teintes. Et son idée, c'était que je fasse le Easy Goes It avec. Fait qu'elle m'a ramené le patron en même temps. Un patron qui est de Michelle Higgins. Que je vais faire, pas tout de suite, mais que je vais faire là, au courant de l'hiver. C'est vraiment doux comme laine. J'adore l'alpaga. Pour vrai, c'est une fibre que j'aime beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas, mais moi, je trouve que c'est... Ben là, je sais pas. Comme onctueuse, comme fibre, ça a une texture que j'aime vraiment beaucoup. Et je vais vous mettre une photo parce que j'ai fait également un achat. Plutôt deux achats de marqueurs chez Arte Brunel. Je suis une fanatique avec ma cocotte de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et je lui ai demandé de me faire des chaînettes. Des mini, puis des régulières. Ah. Le Progress Keeper qui va avec. Quand elle m'a montré le choix là, pour mes Progress Keeper, pour faire le choix de ce que je voulais, mais je trouvais qu'ils étaient tous très beaux, fait que je pouvais pas comme savoir lequel je préférais. J'ai donc opté pour un kit de mini avec tout un chacun. Et comme je suis une fanatique de jaune et que le Oogie Boogie jaune est vraiment quelque chose que je trouve magnifique, je l'ai fait faire en boucle d'oreille également. Avant ça, j'avais fait une petite commande là, pour Arte Brunel avec des marqueurs de devant-derrière qui étaient mignons. J'aime bien quand je fais de la brioche là, pouvoir marquer lequel est devant, lequel est derrière. Puis dans cette commande-là, j'ai commandé des jacks en protège-aiguille. Pour vrai, ils sont trop mignons. J'ai l'impression d'être comme un petit enfant. Et mon dernier achat, c'est des marqueurs de Gentle Island. Je vais vous mettre une photo pour que vous les voyez mieux peut-être. C'est des marqueurs de vampires. J'aime beaucoup tout ce qui est sorcière, vampire. Ce qui fait que quand j'ai vu ça, j'ai pas pu résister. Je me suis commandé des petits marqueurs de vampires. Donc, c'est presque terminé. La seule chose, je vous parlais d'un petit chandail que je vais faire là, pour l'enfant de ma collègue. Donc, le Willima, qui est un patron qui est gratuit sur Ravelry, que je vais faire avec une laine qui est de la Superwash la Cascade 220. Et bon, j'avais un petit blanc là.
Donc, le Winnie Muff, c'est un petit patron très simple, facile, gratuit, qu'on peut trouver sur Ravelry, que je vais lui faire là, avec de la laine qu'on va pouvoir facilement mettre dans la laveuse sans problème. Fait qu'avec les petits boutons en corne de cerf qui sont également là, facilement lavables, ça va être un match parfait, je crois. Donc, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Laissez un commentaire, je vais répondre à tout le monde. Si vous avez des questions, des commentaires, s'il y a quelque chose qui vous a plu ou déplu là, dans cette vidéo-là, écrivez-moi-le, je vais pouvoir m'adapter pour le prochain. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous avez un beau mois de septembre à venir là, avec la rentrée scolaire qui vient de passer et l'automne qui arrive, là, qui permet les tricots un peu plus chauds. Je pense que ça plaît à plusieurs. Donc, n'hésitez pas, faites-moi un pouce, abonnez-vous à ma chaîne pour les prochaines vidéos si celui-là vous a plu. Bye!